Le Sénat de Côte d'Ivoire a une nouvelle patronne. Kandia Camara a été élue présidente de la Chambre haute du Parlement le jeudi 12 octobre à Yamoussoukro au cours de la séance inaugurale. L'ex-ministre des Affaires étrangères a remporté 91 voix sur 97. Conformément à l'article 8 du règlement du Sénat, la prochaine séance sera consacrée à la mise en place des organes de notre institution. À cette fin, j'entamerai sans délai des consultations auprès des présidents de groupes parlementaires, des responsables de formations politiques représentés au Sénat ou des sénateurs qui ne figurent sur la liste d'aucun groupe parlementaire. Dès que ces étapes auront été franchies, nous entamerons nos travaux législatifs par la révision de notre règlement en vue de l'adapter aux exigences nouvelles du travail parlementaire. Lundi 9 octobre, le président de la République Alassane Ouattara a procédé à la signature d'un décret portant nomination de 33 sénateurs, conformément à l'article 87 de la Constitution. Conformément aux dispositions constitutionnelles, c'est au président Alassane Ouattara que revient la charge de procéder à la nomination du tiers des sénateurs pour avoir l'effectif total de 99 membres exigés au Sénat.